parti. Bonjour chers amis, merci de nous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire de la peinture. Alors pour ce faire, on aura besoin d'une toile ou d'un papier, c'est-à-dire une feuille A3 ou A4. Et on aura aussi besoin d'un petit pinceau, de la peinture pour gouache, les couleurs au choix. On aura aussi besoin de trois gobelets à jeter et un peu d'eau. Donc je pense que ce sera le nécessaire. Si vous n'avez pas ces outils, allez les chercher et on y va pour l'atelier. Ce qu'on va faire, on va commencer par, pour créer un motif sur la planche, on va commencer par couper les gobelets en plastique que nous avons ici et d'avoir des franges. Et pour ce faire, on va y aller comme ça. Vous voyez, on coupe de petites coupures comme ça. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond de la tasse. Mais juste comme ça. Comme ça. À peu près 5 cm maximum. En faisant de petites franges comme ça. Et en faisant le tour du gobelet. Donc une fois que ceci sera fait, on va aller peindre notre fond de toile en blanc. Et après, on va venir sortir les motifs que nous avons. Donc je pense que tout ceci, on peut l'avoir à la maison. C'est des gobelets jetables qu'on pourra utiliser. Alors là, on aura besoin de trois, puisqu'on a trois couleurs. Les trois dont on aura besoin sont là. Alors, je vais commencer par peindre. Là, je mets le blanc, le fond de toile plutôt. Le fond de toile, je le mets comme ça, tout en blanc. Et on essaie d'appliquer sur tout le tableau, comme ça. Pour avoir un fond complètement blanc. Voilà. Voilà, tout en blanc. Vous voyez, vous me suivez, voilà. Alors, une fois qu'on aura mis le fond en blanc comme ça, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de délier un peu notre peinture parce que c'était un peu truc. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'eau pour essayer de le délisser. Donc, vous voyez, ça va nous permettre, une fois qu'on aura fini, de pouvoir mettre les gobelets dedans, de pouvoir créer le fond. Donc c'est un plus très facile à faire, c'est fastoche. Donc tout le monde pourra le faire sans problème. Alors, vous voyez bien. Voilà, on a fini de délier la petite peinture. Donc on met un gobelet dans chaque peinture. Alors, ne vous inquiétez pas, la peinture c'est du gouache, donc ça colle pas, ça s'enlève facilement de la main avec juste de l'eau. Donc on va essayer de mettre comme ça. Et on va appuyer sur la peinture. Comme ça. On fait comme ça. Et ce qu'on va faire, on vient maintenant appliquer ça sur la toile comme ça. Vous voyez? On peut reprendre. Et on refait la même chose. Après, on pourra utiliser un autre gobelet pour une autre couleur. On viendra imprégner les franges dans la peinture qu'on va appliquer sur le tableau comme ça. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de trop s'appliquer, hein. On se laisse aller. On se laisse assez aller et c'est de l'art quoi. On va s'en sortir, j'en suis sûr. Voilà. On prend la couleur orange maintenant. Et on continue de faire la même procédure. On essaie d'étaler au maximum possible. Et vous allez voir le rendu, ça va être très joli. Très sympa. Ça aura l'effet du professionnel. Voilà, vous voyez. Donc, on n'hésite pas. On essaie de remplir. Voilà. On prend chaque couleur. On pose une couleur sur une autre. Voilà. Et ce qu'il y a à faire après, c'est de laisser sécher. Donc, c'est du gouache et ça se sèche, ça sèche facilement. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de laisser à l'air libre. Et vous verrez. Donc voilà, c'est un petit tableau qu'on a fait. Donc on pourrait continuer à ajouter.
de la peinture, ça nous donnera aussi un très beau rendu, c'est-à-dire occuper toutes les parties blanches, mais quand même laisser un tout petit peu de marge, ça aurait été très sympa, et ça nous donnerait quand même quelque chose de très joli. Alors les amis, voici ce que je venais, ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui sur les animations de la bibliothèque. Et j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous pourrez reprendre ça à la maison si facilement. Je vous fais confiance, on a tout le temps travaillé sur ça. Donc voilà, c'est le rendu final du tableau et on va laisser sécher facilement comme ça. Et après, on pourra l'accrocher dans la chambre. Donc c'était tout les amis pour cet après-midi dans les ateliers de la médiathèque. Merci et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, respectez les mesures de sécurité prescrites par le ministère de la Santé. Se laver les mains, ne pas se rapprocher des autres. Donc, en tout cas, toutes les mesures de sécurité. Merci et à la prochaine.